Bonjour à tous, on se retrouve pour un tutoriel d'ail de chez Alina Craft. Donc, j'ai reçu ce petit d'ail sac à dos et on va le monter ensemble. Donc, j'ai regardé un petit peu sur l'image comment ça se passait. Et donc, j'ai fait des découpes. Donc, je pense les séparer dans deux sachets différents car il y en a un, c'est la base. Et l'autre, c'est les décorations. Donc, je pense mettre les dailles de décoration dans un sachet et les dailles de base dans un autre sachet et de les assembler pour pas les mélanger. Même si ça se voit parce que ceux pour la création ont des petites ailettes. Là aussi, il y a une petite ailette. Là aussi. Vous avez quand même les petites ailettes qui permettent de se repérer. Et là, il y a celui-ci qui n'est pas sorti. Donc, je les ai passés un coup dans la Big Shot. Et c'est ressorti nickel tout de suite. Hein. Donc, vraiment très très belle qualité. Il y a juste, je pense, ce die-ci. Je pense qu'il faut le faire en deux fois parce que c'est la petite poche du côté. Et je pense que c'est mieux qu'il y ait une poche de chaque côté. Donc après, pareil pour ce qui va se mettre en décoration sur la poche. Il faut le refaire une deuxième fois. Et puis pareil, les anses pour le sac à dos. Il n'y a qu'un seul die, donc il faut le refaire deux fois également. Voilà. Oups, il ne faut pas que je me trompe. Je vais bien les décaler. Et donc, une fois qu'on a toutes ces petites choses, donc moi, je vais faire un petit sac à dos pink lemonade. Et donc, on va faire le montage d'abord de la base. J'ai choisi une base assez claire pour qu'on puisse bien voir ressortir les motifs citronnés. Alors après, je ne sais pas ce qui est le plus judicieux, si c'est de coller d'abord les motifs après de tout rassembler, parce qu'une fois que c'est rassemblé, c'est peut-être plus compliqué à coller. Donc on va faire comme ça. Hop, je m'assois. On va venir coller. Donc je vais prendre de la colle comme ceci. Hop là. Ça a dépassé un tout petit peu, c'est bon. Donc là, on va venir coller ça ici. Ensuite, on a celui-ci. C'est un petit puzzle en fait. Alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi il est. Ah si, il est pour celui-là. Regardez un petit peu les modèles et déchiffrer. Ah, celui-ci va venir ici. Et les deux petits carrés sur cela. Là, je vais tout coller. Et après, on fera le montage. Je vais vous couper parce que c'est vrai que c'est long. Je vais coller toutes les petites parties et on se retrouve tout de suite. Voilà, magie, magie, tout est collé. Donc, j'ai rien plié pour le moment. Donc, on va commencer à plier et regarder un petit peu comment ça s'articule. Donc, je vais assouplir mon papier quand même avec... le plioir. Hop. Je vous ai retrouvé le petit mot pic limonade qui allait avec le papier. C'est quand même super.
Voilà. Voyons, on va venir coller ça comme ceci. Ça fait la base du sac à dos. Et ensuite, après, je pense qu'on vient coller cette languette ici. Ça fait le rabat du dessus. Voilà, peut-être qu'il faut venir assouplir un peu cette pièce. Il faut que ça soit bien collé, hein, le papier. Voilà, je pense qu'il faut l'assouplir pour que ça se ferme comme ça. C'est super beau. J'ai pris aussi des perles parce que ici, ils mettent une perle pour fermer. Ça peut être bien de mettre un petit aimant aussi. J'y ai pas pensé, mais ça aurait été bien. Enfin, il aurait fallu le mettre sous le papier. Tant pis, hein, on va faire comme ça pour essayer. Et ensuite, on va coller les petites poches de chaque côté. Hop. Je pense qu'on le fait comme ça et qu'on le colle comme ceci sur les côtés. Et ensuite, il y a la poche de devant. Donc la poche de devant, je pense qu'on la colle ici devant. Pareil. Hein. Et on vient mettre ça là devant. Voilà. Et puis là, il y a la petite anse à venir mettre ici. Donc, je pense qu'on colle une petite partie, on la laisse se bomber, on colle l'autre partie. Ça fait une petite anse. Et après, on mettra donc les bretelles. Je vais coller tout ça et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai assemblé toutes les pièces. Vous pouvez voir comme c'est trop mignon. C'est magnifique. Franchement, je suis super fan. Il est très très mignon. On peut mettre des petites choses dans les pochettes et on peut mettre des choses à l'intérieur. Ça reste quand même assez grand. Franchement, je suis très contente. Il est très très joli, ça donne vraiment envie. Vous voyez le petit projet, vous pouvez rajouter des petits rubans et tout. Franchement, il est classe. Hein. Ce petit sac à dos, trop mignon. Pour les échanges avec les copines, c'est la classe. Voilà, bah je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt pour la suite des aventures. Et je vous mets donc dans la barre de description le lien si vous souhaitez commander ce die pour pouvoir réaliser vous aussi ce petit sac à dos. N'oubliez pas de bien préciser que vous venez de la part de ma chaîne, ça me permettra de pouvoir vous proposer d'autres petits tutos sympas, comment se servir des dies, etc. Voilà, plein de bisous.